Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. On lit ensemble. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Encore, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mettez Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Ok, confessez dans vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On met la suite ensemble, la suite. La prière. Encore, la prière fervente du juste a une grande. Dans la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ce n'est pas la prière du juste qui a une grande efficacité, mais la prière fervente du juste. Donc cette nuit, j'ai besoin de ta ferveur. Amen. Je ne t'ai pas demandé de prier, oui, non, ferveur. Quand tu pries avec ferveur, on sent de l'énergie. Tu engages ton être, ton âme est engagée, ton corps est engagé, il y a de l'énergie. Nous allons dans la guerre, amen. Nous usons de violence par la prière pour amener à manifestation le règne de Dieu. Et je voudrais bien te rappeler que c'est nous allons prier pour saisir les 12 grâces qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les nôtres par la foi. Regardez ce qui est écrit dans Galates 3, verset 7. Galates 3, 7. En de trois, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui dit, je suis un fils d'Abraham? Eh bien, très bien. Qu'est-ce qui fait de ton fils d'Abraham? C'est la foi. La foi en qui? La foi en Jésus. Pas la foi à ton pasteur, ni à ta communauté, mais la foi en Jésus. La Bible dit de reconnaître que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Maintenant, remettons le verset 29 de Galates 3, verset Galates 3. Alors, 1 et 3, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Avant toute chose, je voudrais que tu puisses lever tes deux mains vers le Saint-Trône de Dieu. Qu'importe ce que tu traverses, répète après moi ces paroles. Père, je veux te rendre grâce. Père, je veux te rendre grâce. Car ta fidélité à mon égard est infaillible. J'ai fait le choix de croire à l'intégrité de ta parole. Et tu as dit à mon égard que je suis devenu, et je le crois, un fils d'Abraham par la foi. Merci. Car cette identité m'a donné un héritage. Ô Père, mes mains levées vers le ciel, je te rends grâce pour mon héritage en Christ. Ô Père, je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je ne partirai pas de la terre sans avoir joui pleinement de l'héritage qui m'est accordé et accomplir le mandat qui m'est assigné avec cet héritage. C'est pourquoi je déclare sur ma vie qu'en ce qui me concerne, le meilleur reste encore à venir. Ce jour, ô Père, ô Dieu, j'engage le sang de l'Alliance. J'engage le sang de Jésus sur ma vie. Je décrète, déclare et établis que ce sang-là parle pour ma liberté. Il parle pour ma justice. Il parle pour ma reconnexion avec Dieu. Alors, qu'importe les sacrifices qui ont parlé jusqu'à présent contre ma vie et ma destinée, je mets ce temps à part pour rétablir l'ordre dans ma vie et vivre sur terre ce que le ciel me réserve. Que ton règne vienne. Ô Père, 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 assez c'est assez. Que ton règne vienne dans tous les domaines de ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le. Amen. Ce soir, quand je te demande d'acclamer, écoute-moi bien. Acclame comme si spirituellement. Attends. Comprends d'abord. Acclame comme si spirituellement la tête des démons qui te menaçaient était entre tes deux mains et que la possibilité t'était donnée de l'écraser. Donc tu acclames. Amen. Avec cette possibilité, c'est là. Dans ton esprit, de mettre en déroute de cette puissance satanique. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une sainte colère. Il y a des moments où dans la prière, il doit y avoir une sainte colère. Donne-moi ton meilleur amen. Ou quand tu acclames, toi-même, tu sais, le démon qui te menace, tu sais que tu es en train de le foudroyer, de neutraliser ses œuvres. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi avons un héritage en Christ. C'est une réalité, nous le savons. Mais nous avons lu un texte fort, le royaume de Dieu est forcé. C'est la violence qui s'en empare. Donc, Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit notre Père qui nous a comblés, qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en Christ, nous sommes déjà bénis. De toutes sortes. La Bible dit, toutes sortes de bénédictions sont rattachées à ta vie. Et quand Dieu m'a enseigné sur l'héritage, l'héritage est personnalisé. C'est-à-dire que ta prière ne va pas empêcher que ton voisin soit béni. Parce que le paquet qui est réservé à ta destinée est déjà là. Donc quand tu appelles, tu es en train de connecter pour télécharger ce que le ciel a amené à manifestation sur terre. Amen. Donc c'est important que tu le saches. Nous allons prier justement pour saisir ces douze grâces. Et je vais vous les citer avant pour justement réveiller votre foi. Et nous allons commencer à prier point par point. Saisir les douze grâces par la prière. Premièrement, il s'agit de la grâce d'avoir continuellement conscient de son alliance. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ont une alliance avec Dieu, mais qui n'en ont pas conscience. Et le fait qu'on n'ait pas conscience de notre alliance est un désavantage. Ça peut être un handicap terrible et crucial. Il est vital que tu aies conscience de ton alliance. De deux, cette conscience va provoquer notre grâce. C'est de la visitation divine. Amen, la visitation divine. De trois, nous allons prier pour que chacun d'entre nous jouisse de la grâce de la foi. Vous savez, la foi est indispensable. Car la foi est ce qui nous donne de saisir toutes les grâces que le ciel nous a réservées. La grâce est associée par la foi. Donc il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on vive par la foi. Il faut qu'on opère dans cette dimension. Amen. Si Dieu a dit « Mon juste vivra par la foi », ça veut dire que chacun d'entre nous a déjà eu la foi, mais quelque chose est peut-être survenu sur le chemin qui a empêché que tu continues de vivre par cette même foi. Cette nuit, ça va se réveiller. Cette nuit, ça va se réveiller. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que si tu n'avais pas eu la foi, tu ne serais pas devenu enfant de Dieu. Tu l'as déjà eu. Le muscle de la foi est là. On va le réveiller. On va l'exercer. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Ensuite, tu vois, ça va amener l'assistance surnaturelle. Ah, tu ne peux pas continuer de faire les choses par tes propres forces. Tu as besoin que l'ange qui est mis à ton côté t'assiste. Que tu vois l'ange assister afin que tes résultats soient différents. Que tu puisses aussi, eh bien, oh oui, jouir de l'onction de la prospérité, la cinquième grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. L'onction de la prospérité. C'est moi qui vous donne la force de prospérer. Cette force est disponible pour l'église. Et nous allons prier pour que tu la relâches. Donne-moi ton meilleur amen. Et nous allons voir dans la prière les subtilités diaboliques qui empêchent le relâchement de cette onction. Pourquoi certains d'entre vous êtes paralysés alors que l'onction est là, mais vous n'arrivez pas à en saisir. Vous n'arrivez pas à en jouir. On va neutraliser. On va briser. Amen. Et donc nous allons voir aussi l'un des entreprises fleurissantes. Comment il faut la grâce pour que des entreprises fleurissent.
Quand on parle d'entreprise réussissante, il y a d'abord entreprendre et réussir l'entreprise. Donc on va anéantir la puissance de la paresse. Certaines maladies diaboliques qui sont envoyées dans ta vie pour t'empêcher d'agir. La procrastination va être détruite pour relâcher dans ta vie le potentiel. Et je vais plus loin. Pendant qu'on sera en train de prier ce soir, certains d'entre vous qui êtes déjà prospères, qui avaient déjà relâché 3 talents parmi les 5, les 2 autres talents vont donner naissance. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je suis en train de dire que celui qui avait 5 talents a ramené combien de talents? Il a ramené combien de talents? 5 autres. Chaque talent a donné naissance à un talent. Il n'a pas ramené 8 talents. S'il a ramené 8 talents, ça veut dire qu'il y avait 2 qui étaient inactifs. Donc il a ramené 5 autres talents. Donc chaque talent a été exploré. Certains d'entre vous, c'est votre 3e talent qui est la clé de votre explosion. Il y a 2 talents qui marchent déjà, il y a 1 qui ne marche pas. Il doit marcher. Certains c'est le 4e, d'autres c'est le 5e qui va t'amener dans d'autres territoires. Donc tous les talents que Dieu a placés en toi, on va prier pour l'exploration. Amen. Quand on veut découvrir le pétrole, quand un pays est riche, on va d'abord explorer pour voir. On dit oui, il y a le pétrole. Maintenant, on descend pour creuser et puis maintenant, les pailles pour le sortir. Donc, on va prier pour l'exploration. Que toi-même, tu arrives à la dimension de la redécouverte de ta richesse. Et maintenant, que tu puisses toi-même exploiter ta richesse. Que tu ne sois pas comme une colonie qui est pompée par le colon et tu ne jouis pas de ta richesse. Non. Dieu t'a affranchi pour la liberté et les sorciers ne vont pas coloniser tes pots. A dit à ton voisin, cette nuit c'est ma nuit. Non, dis-le bien à ton voisin. On va prier. Amen. Je ne vais pas vous citer tous, il y en a 12, on va aller là, on va gagner en temps. On va gagner en temps. Alors on va maintenant pour la grâce numéro 1. On va prier. D'accord? Grâce numéro 1. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Ne soyez pas pressés de dire, je connais ce texte. Parce que ça peut toujours prendre des tournures inattendues. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. L'apôtre Paul qui parle. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, nous allons prier afin que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Afin que, avec les yeux de ton cœur, tu comprennes véritablement quelle est la richesse de ton alliance avec Dieu. En fait, quel est le contenu de richesse rattaché au fait que tu sois né de nouveau? C'est en fait de ça que parle l'apôtre Paul. Quel est l'héritage qui se rattache à ton appel? Le fait que Dieu t'a appelé, quelle est la richesse cachée derrière? Que Dieu ouvre tes yeux dessus. Qu'il ouvre tes yeux dessus. Je te garantis. Demande au Saint-Esprit, vraiment, ou parle-moi, révèle-moi la densité, la profondeur, la richesse de mon alliance avec Dieu par Abraham et au travers du sang de l'agneau. Prie le Seigneur, élève ta voix, demande-le de tout ton cœur. Prie dans le nom suprême de Jésus. Demande-le pour toi, demande-le pour ta sœur. Demande-le au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce. Merci de m'accorder dans le nom suprême de Jésus un esprit de sagesse et à tous se connecter à cet hôtel. Et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Que chacun d'entre nous sache. Oui, chacun sache par le Saint-Esprit quelle est l'espérance qui se rattache à son appel. Père, donne à chacun d'entre nous de saisir la richesse, la profondeur éternelle de notre alliance avec toi dans le nom suprême de Jésus. La richesse qui se rattache, la richesse. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus. Père, je t'en supplie dans le nom suprême de Jésus, afin, oh Dieu, que par la révélation de cette alliance, Dieu devienne pour mon cœur et le cœur de toute personne connectée à cet hôtel, la personnalité la plus importante, la personne à laquelle nous attachons le plus et dépendons le plus dans le nom suprême de Jésus. Que le regard ne soit point placé sur quelqu'un d'autre, autre que toi, dans le nom suprême de Jésus. Oh Père, merci.
Merci pour tes œuvres. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Dans le nom suprême de Jésus. Merci au Père pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Éternel que tu donnes à chacun d'entre nous d'avoir la pleine conscience, Éternel, de notre alliance, celle qu'on a héritée, Éternel d'Abraham, dans le nom suprême de Jésus. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Accomplis tes œuvres dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Place ta main sur ton cœur. Ça, c'est très important comme ceux de prière. Et répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, me voici devant ton Saint Trône. Je t'en supplie. Aide-moi par ton Saint-Esprit à avoir la pleine révélation. La pleine révélation de l'espérance qui se rattache à mon appel. Donne-moi de cerner dans la profondeur et l'immensité, la richesse de l'alliance éternelle qui sous laquelle est bâtie ma nouvelle naissance. Ô Dieu, je t'en supplie, aide-moi afin que, ayant pleine connaissance de cette vérité, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, demeure à mes yeux la personne la plus importante à mes côtés et la plus présente face à tous les défis auxquels je pourrais être confronté. Que ce soit à Dieu que mes regards se tournent vers lui, Seigneur, pour le contempler, pour attendre de lui le secours, la délivrance, la provision, l'assistance face à toute épreuve, au nom suprême de Jésus. Honneur à toi, mon Père, pour tes œuvres. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. Amen. Acclame encore très fort ton Créateur. Alléluia. Amen. Eh bien, quand nous prions de la sorte et que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous la révélation qui se rattache à notre appel, face à tous les défis de la vie, nous avons un premier réflexe, on se tourne vis-à-vis de Dieu, on regarde à Dieu. Alors nous perdons la conscience de l'existence des hommes, c'est-à-dire ce n'est pas aux hommes à qui on se confie, non, maudit quiconque se confie en l'homme, parce qu'on a la révélation de Dieu. Maintenant, les hommes auxquels on s'attache, ce sont les personnes que Dieu envoie vers nous. Et si quelqu'un donc quittait notre vie, nous n'en faisons pas un drame, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous sommes toujours là, nous avons toujours la majorité. Nous ne sommes pas ébranlés par n'importe quel événement, parce que nous avons la conscience de notre alliance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. C'est très important d'avoir la révélation de ton alliance. Et ça change ta manière de prier. Ça change l'attente que tu as vis-à-vis de Dieu. Quand un problème survient, en fait, toi, tu n'es pas de ceux qui disent, oh, peut-être que le problème va m'emporter. Non, tu te dis, comment est-ce que Dieu me délivrera encore? En fait, tu sais qu'il va t'en sortir. Mais tu te dis, mais comment il va encore m'étonner? Comment il va encore me surprendre? Tu es toujours confiant de ce que la délivrance viendra. Parce qu'il a dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, quand tu as la révélation de ce qu'il t'a appelé, alors tu restes serein. Amen. Tu es installé justement dans la vie zen, dans la zen attitude par la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Et là, c'est très important, jeune homme, très important pour nous tous. Vous qui êtes au bureau, vous avez des carrières, vous êtes des politiciens. Ne pensez pas que vos vies dépendent de vos patrons. Vos vies dépendent de Dieu. Non, 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 ça dépend de Dieu, frère, pas de vos patrons. Non, non, non. Ta destinée n'est pas rattachée à ton pasteur, elle est rattachée à Dieu. Donc, il faut bien que tu aies une pleine, je dis bien pleine révélation de ton alliance avec Dieu. Même si le monde entier venait à te lâcher, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Moi, j'ai été dans des réunions à cause de cette connaissance où on a prié. L'homme de Dieu est arrivé devant ma tête. Il a sauté ma tête. J'ai pris ma propre main, j'ai mis sur ma tête et je me suis béni moi-même. Et ça a marché. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous sommes en train de prier. La grâce numéro 2. La grâce numéro 2, visitation divine. Regarde le texte de 19, Ephésiens 1 toujours, 19 à 22. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire,
on dit envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Après cette prière, tes adversaires vont avoir peur de toi. Tu vas parler ici à Abidjan, quelqu'un va mourir à Daoko. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit, il l'a déployé en Christ. Oh mon Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressant entre les morts. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frère, je veux que tu pries que vraiment aujourd'hui là, tu ne quittes pas ce moment sans la révélation de la puissance qui opère par toi. Continue au verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est avec cette puissance que j'ai vaincu le Covid. Ta manière de dire amen m'embête. C'est avec cette puissance que nous avons vaincu le cancer. Dis encore amen. Alléluia. Donc Dieu, voyez-vous, Romains le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et a donné pour chef suprême à l'église. Lève ton pied droit et déclare Satan est sous mes pieds. Déclare-le avec force. Alors pendant que tu lèves ton pied et que tu vas le répandre sur la terre, je décrète, déclare établi que là où tu te trouves, toutes les puissances qui hier ont contrôlé ta vie sont assujetties à ton pouvoir. Au nom suprême de Jésus. Car Satan est sous nos pieds au nom suprême de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas continuer de prier et demander à Dieu, accorde-moi la pleine révélation de cette puissance qui est en moi. Prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit, aide-moi d'avoir davantage la révélation de cette puissance. Prie, élève ta voix. Cette nuit même, ce jour même, c'est le jour de ta visitation divine. Ne te tais pas, élève ta voix. Rekete borede, rakata, rekoto. Brando kete, shatarababo, eleketi barebosa, enderevoko, rakataka. Père, merci, car tu m'accordes, éternel, de savoir, rabababa, qu'elle est envers moi. Dis quoi? L'infinie grandeur de ta puissance, celle que tu as déployée en Christ. Cette puissance qui est en moi, cette puissance qui m'habite, cette puissance qui est dans l'église. Père, donne-nous d'en prendre pleinement conscience dans le nom suprême de Jésus. Pleinement, puissamment, conscient de cette puissance qui nous rend inébranlable par la puissance. Père qui opère en nous cette puissance extraordinaire. Roko Toko, prie là où tu es, chantement de Saint-Esprit. Accorde-moi la révélation, que les barrières de l'ignorance soient renversées. La révélation, la visitation par le Saint-Esprit. Une visitation par la révélation de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rakandeke, Rokoto, Brandekeba, Sakalatore, Rakondeke, Satarababa, Reko, Randeketa, Sakolotera, Rekondo, Mandakalakalea, Solo. Boca, Rendeke, Orakotaka, Breke, Mandoke, Sarababa, Eleke Riokande. Père, merci pour la révélation par le Saint-Esprit. Une visitation dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Rakata. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, qui parmi vous, amen, qui parmi vous s'est souvent dit, je suis très étonné du niveau de révélation que cet homme de Dieu a de la Bible. Allez, très bien. Mais vous savez à quoi c'est dû? J'ai fait cette prière. Je fais cette prière et je la fais régulièrement. Très régulièrement. Je peux lire le même verset biblique 7 fois et avoir 7 compréhensions parce que chaque mot peut s'allumer différemment. C'est le Saint-Esprit. Alors un jour j'étais en Sierra Leone. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. J'allais à l'église le dimanche matin et je suis en train de rôle. Le pasteur faisait son culte dans une salle du stade. Et quand je suis entré, j'ai eu une visitation ouverte où le Saint-Esprit m'a montré la puissance qui descendait aux enfers et qui a sorti Jésus de la tombe et qui l'a fait monter à la droite de Dieu. C'était plus impressionnant que la fusée. Et il m'a dit, il n'y a pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, rien, mais Jésus est monté là-haut dans le ciel. Et le Saint-Esprit m'a dit ce jour, et je n'ai jamais oublié, que cette même puissance habite en chaque croyant. Parce que cette puissance habite dans chaque croyant, pas dans chaque pasteur, dans chaque croyant.
Maintenant, la différence, c'est la visitation par l'illumination. Donc, quand cette vérité t'est occultée, tu ne prends pas connaissance de ce que tu as. Donc, la prière qu'on vient de faire, c'est de t'amener à prendre conscience de ce qui habite en toi. Lève ta main vers le ciel et répète après moi, ce qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Je crois de tout mon être que Dieu, par le Saint-Esprit, m'a accordé un esprit de puissance. Je crois que l'esprit de la résurrection habite en moi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu, sans avion, sans fusée, et il est monté. C'est pourquoi je décrète, je déclare et j'établis que par ma vie, à cause de cette visitation divine des choses inhabituelles, des miracles rares se produiront par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième grâce, c'est celle justement de la vie par la foi. Hébreux 11, verset 6. Il est dit, allons-y ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, lève ta main si tu crois en Dieu. Très bien. Alors, Galates 3, verset 11, s'il vous plaît. Galates 3, verset 11, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Galates 3, 11. Que nous ne soyons justifiés devant Dieu par la loi, car il est évident, puisqu'il est écrit en deux, trois, le juste vivra par la foi. Le juste vivra comment? Par la foi. Eh bien, très bien. Dieu ne peut pas nous demander un style de vie dont il ne nous rend pas capable de mener. Donc s'il nous dit de vivre par la foi, ça veut dire que nous avons l'habileté de Dieu à nous de vivre par la foi. Donc si on demande à un oiseau de voler, c'est parce qu'il a des ailes. Si on demande à un poisson de nager, c'est parce qu'il a des nageoires. Si on te demande de vivre par la foi, c'est parce que tu as la foi. Donne-moi le meilleur des amens. Donc la première chose, c'est de prendre conscience. La nature d'un oiseau n'est pas de marcher. Il peut peut-être marcher, mais sa performance ne sera jamais connue par la marche. C'est quand il vole qu'il se révèle. Un poisson peut sauter, mais il ne sera jamais performant en sautant. C'est quand il nage qu'il se révèle. Et un homme qui a connu Dieu ne sera jamais assez performant s'il vit simplement. Il n'y a que la foi qui te révèle. Alors tu vas te décider toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si je ne me sors pas de cette situation, alors il n'y a pas d'issue. Je ne me tournerai vers personne d'autre que vers Dieu. Je n'irai demander le secours à personne d'autre qu'à mon Dieu. Si Dieu ne me délivre pas, alors personne ne me délivrera. Le secours me viendra de l'Éternel. J'ai choisi de lever mes regards sur lui. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous savez ce que ça fait? Ça fait que vous êtes différent. Vous êtes différent. Mon propre grand frère touchait près de 15 millions de francs CFA. Je touchais 25 000 francs, après 20 000 francs, après 15 000 francs, mais je ne lui ai jamais demandé un centime. C'est mon frère gentil, mais gloire à Dieu pour sa gentillesse. Le juste ne vivra pas en commandant à son frère. Je vous le dis encore, je n'ai jamais, et je dis jamais, je ne suis allé devant mon leader pour dire, j'ai un problème d'argent, est-ce que tu peux me donner l'argent? Tu vas emprunter là, jamais de la vie. Parce que j'ai dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas lui qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc ce Dieu doit se montrer à mon égard. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire à Dieu pour les médicaments, mais l'Éternel guérit celui qui guérit. Le jour où j'ai découvert dans la Bible que Dieu guérissait, j'ai fait 7 ans sans boire des médicaments. 7 ans. Parce que j'ai dit, ok, je prends cette parole. C'est par la foi que ça marche. Frère, c'est une résolution de l'âme. Et ce n'est pas une question de don, c'est une résolution. Tu l'as déjà. Donc tous les défis de la vie doivent t'aider à relâcher ta foi. On t'a dit que ton enfant est malade. Toi, tu dis par les meurtrissures de Christ, il est guéri.
Le médecin a dit il mourra, mais tu dis il vivra. On a dit qu'on te chassera de la maison, mais tu dis non, ça n'arrivera pas. Tu dois être à même d'attendre Dieu. Tu n'acceptes aucun autre secours si ce n'est celui de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Ça et je te dis, c'est cet état d'esprit que tu dois avoir dans ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. Dans ton âme. Et ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas vivre la vie de Dieu. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas la foi, ils vont courir de maison en maison, manipuler les fidèles, les tirer en dehors des prophéties, pour aller les amener à côté, pour créer des petites églises avec eux, devenir pasteur, petit pasteur à domicile. Ça, ça ne marche pas. On n'est pas PPD. PPD, petit pasteur à domicile. C'est pas cela qu'on appelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas avoir un si grand Dieu et finir PPD. Non! Amen. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Maintenant, je veux que tu parles à toi-même. Tu vas parler à toi-même. Tu vas parler à toi-même. Tu vas dire, Raoul, on en a marre. C'est terminé aujourd'hui. On vit par la foi. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Déclare à toi-même. Terminez la vie de mendicité. Non. Je regarde à Dieu. Mon Dieu n'est pas pauvre. Mon Dieu n'est pas pauvre. Je déclare que je vis une vie par la foi. J'ai de la dignité, je regarde à Dieu. Mon Dieu exauce les prières. Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. J'annonce, Raoul, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. C'est la résolution de l'âme. Rien n'arrêtera. Aucune tragédie qui surviendra sur le chemin de ma destinée ne changera cette résolution. C'est la foi ou rien d'autre. Si Dieu ne peut pas intervenir, alors il n'y aura pas d'intervention. Je regarde à Dieu. Je regarde à lui seul. Je regarde à Dieu. Je tourne mes regards vers lui. Je regarde à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. C'est une résolution de mon âme de vivre par la foi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi Seigneur. Que ton nom soit béni. Car j'engage mon âme pour cette vie par la foi. Je saisis cette grâce de vivre par la foi. Je la relâche sur ma vie au nom suprême de Jésus. Je la relâche sur le peuple. Je prie dans le nom suprême de Jésus que chaque homme et chaque femme connectée à cet autel voit son histoire changer merveilleusement, extraordinairement, spectaculairement. Père, des miracles rares dans les maisons, dans les familles, des miracles rares, des témoignages insolents de la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Une puissance de Dieu en marche de façon inhabituelle dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un donne le meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, quand tu vis par la foi, tu as l'assistance surnaturelle. C'est la quatrième grâce. L'assistance surnaturelle. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez, Psaume 34, verset 6. Va le verset 7. Ok. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le sauve de toute. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Il fait quoi? Il le sauve de toute. Nous parlons d'assistance surnaturelle. Donc quand tu cries, il te sauve de toute. On n'a pas dit certaines, toutes. Dis après moi, je sors victorieux de tous mes combats. Déclare-le encore. Continue au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oh, la suite est terrible. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous les saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je déclare sur ta vie la fin du manque. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous savez, quand la Bible dit que rien ne manque à ceux qui le craignent, et que la Bible a parlé de l'ange, la Bible est en train de parler d'une provision surnaturelle. C'est pour ça qu'il dit que rien ne manque à ceux qui le craignent, après avoir parlé de l'ange. Donc ça veut dire que quand au moment du besoin, la provision viendra, il y a une assistance surnaturelle. L'ange interviendra. Amen. Que cela soit ton partage.
au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Je vais vous dire quelque chose que je prévoyais dire à Cabot. Je le dis maintenant. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous pensaient que la manne et la caille, c'était le meilleur repas. Il y a des gens qui prient, donne-moi la manne, donne-moi la caille. La manne et la caille, c'était le repas du désert. Il a dit, je vous conduirai vers un repas où coule le lait et le miel. Donc c'était un repas de transit. Un repas de transition. Ce n'était pas le repas de l'abondance. La preuve, tu ne pouvais pas garder le repas. La preuve, tu mangeais à l'heure où tu es convoqué par le ciel. Ce n'était pas à ton heure. Quand ça vous rappelle quoi? La prison. C'est l'heure de manger. Venez manger. Chacun mange son assiette, on te sert. Ou alors quand vous êtes à l'internat, comme certains d'entre nous ont fait l'internat, il y a une heure pour manger. On choisit ton repas, tu n'as pas le choix. La manne et la caille est un repas pour tout le monde. Mais tu dois traverser le désert. Tu dois arriver là où coule le lait et le miel. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. En d'autres termes, il y a des provisions qui ne sont que la signalétique de quelque chose de meilleur qui est à venir. Je continue. La manne et la caille, c'était la nourriture des marcheurs. C'était diététiquement conçu pour que tu marches. Parce qu'ils avaient beaucoup de marches à faire et à pied. Ce n'était pas la nourriture de la terre promise. Mais toi, tu mangeras la nourriture de la terre promise. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Amen. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. Quand l'ange de l'Éternel intervient à ta faveur, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Mais la bonne nouvelle au sujet de la manne et de la caille, c'est que ça prouve que Dieu existe. La manne et la caille, c'est l'initiation au surnaturel. Que tu sois là et que tu te rendes compte que les boutiques ne sont pas simplement sur la terre. Et que les boulangeries n'existent pas seulement sur la terre. Et qu'on peut avoir des restaurants au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je te garantis que pendant que je suis en train de parler, j'entends le Saint-Esprit me dire que quelque chose descend du ciel pour ta vie. Quelque chose arrive du ciel pour ta vie. Quelque chose descend du ciel sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. N'essaye même pas de dire aux gens comment c'est arrivé. Parce que personne ne le croira. Parce que personne ne le croit. Quelque chose du ciel arrive pour toi. Reçois-le dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'assistance surnaturelle de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est mon partage et ma portion surnaturelle. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas que tu auras témoigné toi-même. Et je t'interdis de témoigner dans la vieillesse. Tu témoigneras dans les saisons à venir. Tu témoigneras dans les jours à venir. Tu témoigneras dans les mois à venir. Je te montrerai sa face. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois fois amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Nous le prenons par la force. Amen, nous prenons par la force. Amen, vous savez qu'il y a des moments où vous priez, vous dites à Dieu, je ne mourrai pas que je n'aurais pas vu. Ce n'est pas une affaire de dire que non, tu dis à Dieu, je ne mourrai pas que je n'aurais pas vu. Je témoignerai de ta bonté. Je vais expérimenter. Ça dit clair, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé à moi pour lire la Bible. Quand Dieu m'a dit, ça m'a choqué. Tu n'es pas devenu un lecteur de la Bible. Je t'ai appelé pour lire, pour vivre la Bible. Pour montrer aux gens que la Bible est vraie. Pas pour citer les versets bibliques. Je déclare que la fin, tu n'es plus un réciteur de versets bibliques. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Mais la vie de la parole se démontre au travers de ta vie. Et tu deviens le porteur qui illustre que la parole de Dieu marche. Et que ce que Dieu dit est vrai. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Nous continuons de prier. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Nous allons aller à la cinquième grâce, la force d'entreprendre. Ou alors l'onction de la prospérité. Amen. Tu dois l'avoir, cette grâce.
Tu dois avoir cette grâce. Tu dois avoir cette grâce. Tu dois avoir cette grâce. L'onction de la prospérité. Après ce sujet de prière, je te garantis que l'argent va voler vers toi. La richesse va planer dans ta maison. Dans le nom suprême de Jésus. Deutéronome 8, verset 18. Disait ce texte, regardez, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. De la force pour les acquérir, afin de confirmer. Comme il l'a fait, je déclare sur ta vie une saison de confirmation. Non, je ne dis pas confirmation parce que tu t'es baptisé bébé. Je dis confirmation des promesses de Dieu. Remets-moi le texte. Confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Ah. Amen. 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 Et Dieu m'a rappelé il y a 2 semaines. Il m'a dit, l'ange de la prospérité marche avec toi et sur cet autel. Il accompagne cette vision. Et moi, je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que cet ange t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ton partage et ta portion. Dis amen. Alléluia. Eh bien, écoute-moi attentivement. Premier sujet de prière, dans ce sujet, parce que dans cette grâce, on va prier différemment. Premièrement, certains d'entre vous doivent renoncer au contrat de pauvreté signé avec Satan. Satan t'a conduit à un contrat, tu as signé. Tant que le contrat n'est pas déchiré, toutes les prières qu'on fait dans ce domaine ne marchent pas. Tu dois déchirer ce contrat. Alors, Exode 10, verset 24. Exode 10, 24. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Ça paraît bien. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Mais vous pouvez partir. Est-ce que ça ne ressemble pas au chant qu'on a souvent chanté? Païen, prenez le monde, moi j'ai mon Jésus, ça me suffit. Ça c'est le contrat de pauvreté qu'on doit déchirer. Si tu as chanté ce chant, tu dois laver ta langue avec le sang de Jésus. Je suis sérieux. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Et c'est pour ça que dans ta maison, il n'y a rien. Ce n'est pas sur le toit que ça brille. Ça doit briller dans la maison. Parce que tu habites la maison, pas sur le toit de la maison. Ça, c'est le contrat de pauvreté que nous avons signé. On doit déchirer ce contrat. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On doit déchirer ce contrat. Chaque fois que tu as dit, dans tous les cas, mais la richesse même n'est rien. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai eu Jésus. C'est un contrat de pauvreté. C'est la même proposition que Pharaon a fait. Moïse a dit, jamais on ne refuse. On va sortir avec nos brebis. On va sortir avec nos bœufs. Et on va aller plus loin. On va sortir avec votre argent et votre or. On va partir avec dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je ne vais pas vous dire que je suis l'homme le plus intelligent du monde. C'est pas vrai. Non. C'est juste la grâce de Dieu. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, oui, il y a des secrets aussi. Non, c'est la grâce. Ce que je vous enseigne, là, c'est ce que je mets en marche. Et ça marche. Ça marche vis-à-vis du CFA. Ça marche vis-à-vis de l'euro. Ça marche vis-à-vis du yen. Ça marche vis-à-vis du dollar. Ça marche chez les blancs. Ça marche chez les noirs. Ça marche en Amérique. Ça marche en Inde. Ça marche en Chine. Ça marche partout. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va marcher. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Ça doit marcher. Mais on doit détruire le contrat avec la pauvreté. À cette étape de ma marche où je parle, toutes les personnes qui sont résolues à être pauvres, sortez de la salle, attendez dehors. Quand on va finir ce jour de prière, vous revenez. Je suis sérieux. Sortez, vous attendez en bas. Quand on va finir ce jour de prière, vous revenez. On doit détruire le contrat. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la pauvreté. Vous ne savez pas ce que la pauvreté. La pauvreté est terrible. Je dis encore ceci, je le dis fermement. La pauvreté est du diable. J'ajoute, la pauvreté est une malédiction. Un homme pauvre est en train de démontrer de façon visible
l'empreinte de l'influence de Satan dans sa vie. La pauvreté fait mentir l'alliance d'Abraham. Un homme pauvre est en train de dire que Dieu a menti à son père. Ce n'est pas ton partage. Non, non, lui a dit, ce n'est pas ton partage. Et je vais vous dire la bonne nouvelle, c'est que dans ce même pays, en 1999 et en 2000, je touchais 15 000 francs CFA. Donc je connais la pauvreté. Nous avons marché ensemble. J'ai tenu le langage que tu as tenu. J'ai déchiré le contrat. Et si tu ne déchires pas le contrat te tient. Il faut déchirer le contrat. Il faut ébranler ce contrat et la pauvreté. Et dis à la pauvreté, il n'y a rien entre toi et moi. Déclare-le, déclare-le. Il n'y a rien entre toi et moi. Je ne suis pas pauvre, je ne mourrai pas pauvre. J'ai un contrat de richesse. J'ai une alliance de prospérité qui parle à ma faveur. Je déchire tout un contrat avec la pauvreté dans le nom suprême de Jésus. Toutes les fois où j'ai été, moi-même, consciemment ou inconsciemment, engagé dans le sens de célébrer la pauvreté, je déchire ce contrat, j'ébranle. Ce contrat ne parle pas sur ma vie, ni sur la vie de mes enfants, ni sur la vie de l'église. Ce contrat de pauvreté ne parle pas. Satan, je sors de ton emprise avec tous les trésors qui me sont réservés. Ton influence est sans pouvoir sur ma vie. Dans le nom suprême de Jésus, j'ébranle le contrat. J'ébranle, je déchire, je brise. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare que toute alliance avec la pauvreté est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Dans le nom suprême de Jésus, elle est brisée ce contrat. Rakote ribaba. Rekorondo sakalate ribabo. Alléluia. Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite. La bonne nouvelle, c'est que ça nous prendra plus de temps que pour vivre ce soir. Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Lève ta main droite vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Nous sommes en train d'interrompre le contrat de pauvreté. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Ma main droite levée vers le ciel. Je déclare. Moi, Raoul Wafo. Ayant pris conscience de l'alliance que mon père Abraham a conclue avec toi, ô Dieu, je me sens coupable d'avoir prononcé certaines paroles, ô Dieu, qui ont lié ma vie avec la pauvreté, d'avoir été d'accord avec certains enseignements pervers, pernicieux, nocifs, destructeurs, cette doctrine de l'enfer qui ont pollué ma vie. Je lève mes deux mains vers le ciel. J'ai dit au Père, je suis innocent, que le sang de Jésus me lave et me purifie. Je dénonce le contrat de pauvreté au nom suprême de Jésus. Mes mains levées vers le ciel. J'annonce, Jésus s'est fait pauvre afin que moi, je sois devenu riche. J'active maintenant l'alliance de la richesse, le contrat de la prospérité sur ma vie. Par mes paroles, j'engage, 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 j'engage l'ange de la prospérité sur le chemin de ma destinée. Ma vie est bénie et comblée au nom suprême de Jésus. Même au village, je dénonce les alliances parentales, héréditaires, qui parlent, quant à ma destinée. Je déclare, Satan, je ne me reconnais pas dans ces alliances. Je n'ai aucun contrat avec la pauvreté. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, écoute-moi bien, la deuxième étape. On a la deuxième étape, ouais, on a dénoncé ce contrat.
Moïse a dû dire non à Pharaon. Et toi, tu dois savoir dire non à Satan. Ah ouais. Tu n'as aucune alliance. Frère, vous savez, écoutez-moi très bien, ne prenez pas vos miroirs à la maison simplement pour regarder vos cheveux, pour regarder vos tenues. Parlez, regardez-vous vous-même. Rappelez-vous-même à vous-même que vous avez une alliance de prospérité. Que vous n'avez pas d'alliance avec la pauvreté. Parlez-vous à vous-même. Vous n'êtes pas venu sur la terre accompagner les autres. Maintenant, la deuxième étape, c'est que tu dois refuser. Et dis bien, refuser d'être enrichi par Satan. Satan n'est pas ton maître. Ta manière de dire « Amen » m'embête. C'est vrai que tu n'as pas d'alliance avec la pauvreté. Mais Satan n'est pas celui qui te rendra riche. Non. Regardez le texte de Matthieu 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur la montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Elle lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ah oui, tu diras à Satan, je préfère mourir de faim que de me nourrir à ta table. Je ne mangerai pas de ton repas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, écoute-moi bien. Je vais vous dire une chose. J'étais au Ghana. J'arrivais en Côte d'Ivoire, je suis venu, et puis il y a eu une conférence. Nous avons été tous rappelés, les missionnaires, sous Rostatrou. Je suis parti au Ghana. Et donc, ce jour-là, je me rappelle très bien. Ce soir, c'est passé Madou Kambiki qui allait prêcher. J'étais couché, et donc on avait travaillé le matin. Je suis venu me coucher, et je suis fatigué. Et tout, j'ai eu une vision, vraiment aussi claire que je vous vois. Satan est entré dans ma chambre. Et Satan m'a dit, bon, ok, tu veux la puissance, tu veux la richesse, je suis là. Je vais te la donner. Tout ce que je te demande, amène les gens à moi. Si tu les amènes à moi, alors je te donne tout ça. Et mon esprit s'est mis en colère. Et donc j'ai eu envie de tenir Satan et de le gifler. Authentique. Vous savez, quand vous avez la révélation de qui vous êtes, le diable, s'il apparaît dans ma chambre, je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Si j'entends le vent qui s'ouvre, je n'ai pas peur. Parce que j'ai tellement conscient de qui est en moi que je sais qu'aucune apparition. Vous pouvez me mettre à Williamsville et je lis ma Bible en pleine nuit. Rien ne va me faire peur, rien du tout. Aucun, rien. C'est un, je peux avoir peur d'un braqueur, pas d'un démon. Donc le braqueur peut-être plus m'intimider que le démon. Mais pas un démon. Je sais en qui j'ai cru. Donc quand j'ai refusé, je savais que je venais avoir une victoire. Vous ne pouvez pas obtenir ce que le Seigneur vous a réservé quand vous n'avez pas dit non à Satan. Donc on va se tenir, je vais te conduire à la prière du non à Satan. Tiens-toi debout. Non, tiens-toi debout. Lève ta main droite vers le ciel. Mais vraiment, parle avec ton cœur. 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 Quand tu parles ainsi, tu parles avec ton cœur. Donc quand tu dis non à Satan, tu es en train de dire non à tout ce qui est corruption, tout ce qui est Fukuba, tout ce qui est ceci, pour être enrichi. Non, Dieu a une voie meilleure pour toi. Et tu vas y arriver. Lève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, ma main doit lever vers le ciel. Je décrète, je déclare et j'établis que moi, Ralou Afon, par la grâce de Dieu, je ne serai pas enrichi par Satan. Non, non et non. Quand il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu est mon Père. Il est hors de question pour moi d'aller me nourrir à la table du diable. Je ne mangerai pas de ce repas-là. Le repas de la compromission. Je ne mangerai pas de ce repas. Car je sais que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. J'attends la visite de l'ange de Dieu pour la prospérité de ma destinée. Au nom suprême de Jésus. Amen trois fois. Amen. Amen. Maintenant, mets ta main sur ta tête, ta main droite sur ta tête. Dis, je reçois maintenant de la part de Dieu mon Créateur l'onction, c'est-à-dire la force de prospérer et d'acquérir les richesses que Dieu m'a accordées. C'est pourquoi
J'annonce que dès cet instant, je suis revêtu d'une force supérieure, me rendant à même de faire des exploits remarquables et remarqués dans ma génération, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, vous savez, quand nous prions ainsi, certains pensent que ouais, c'est un simple sujet de prière. Il n'est pas simple. Tu es en train de connecter l'intelligence divine à la tienne. Amen. Tu es en train de remplacer ton cerveau par le cerveau de Dieu. Donc, en fait, la pensée de Christ devient tienne. Donc, une fois que tu dis ça, il y aura des idées rares qui vont commencer à venir. Tu vas commencer à avoir des impulsions incroyables, des pensées que tu n'avais pas avant. Même la manière de te voir va changer. Même la manière de vouloir t'habiller va changer. Quelque chose se passera en toi, car l'onction de la prospérité va commencer son travail à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis, je saisis cette grâce. Elle est mienne dans le nom suprême de Jésus. Dis amen trois fois. Eh bien donc, nous allons continuer de prier. Et cette fois, nous prions pour la grâce des entreprises florissantes. Amen. Ceux qui me connaissent savent que mes entreprises marchent. Amen. Je ne choue pas dans ce que je fais. Amen. Quand j'initie quelque chose, ça marche. Amen. Je ne connais pas l'échec. Amen. Je n'ai pas de contrat avec l'échec. Amen. Cette grâce est sur ma vie et elle m'accompagne. Là où les autres échouent, je réussis. Amen. Dis après moi, là où les autres échouent, je réussis. Amen. Car la main de Dieu est sur ma vie. Dieu fait fleurir tout ce que ma main touche selon sa parole au nom suprême de Jésus. Il a dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Mes entreprises sont bénies. Ma corbeille est bénie. Ma huche est bénie. Tout ce que je touche est béni. La main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu m'accompagne. La floraison est mon partage. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. 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 Jean, cette phrase me revient. Quelqu'un te verra et il t'aimera. Alors, je ne suis pas en train de dire à une jeune fille que la voiture qui a garé, là, c'est de ça qu'il s'agit. Ou le gars qui t'invite au restaurant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de t'aimer dans le sens de connexion de destinée. T'aimer pour t'encourager à une initiative. T'aimer pour être partenaire. T'aimer pour t'ouvrir les portes. T'aimer, t'aimer, t'aimer et t'accorder la faveur dans le nom suprême de Jésus. Et mesdames, je vais vous dire une chose. Vous, quand vous allez quelque part demander un service, et vous priez que ce soit un homme que vous rencontrez. La femme que vous allez rencontrer là, elle peut vous aimer naïvement. Ne pensez pas toujours que la faveur va venir par un homme parce qu'il a regardé votre corps. C'est une mauvaise manière d'avoir la faveur. Une faveur qui vient parce qu'on te trouve belle simplement pour t'avoir des choses après, ce n'est pas la faveur de Dieu. Ok? Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je te fais ça. Ah! C'est la faveur qui vient en haut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Elle va t'accompagner. Une vraie bénédiction. Maintenant, regardons le verset, le sujet 2 pour la même grâce. Exode 12, verset 30 à 32. Ah, quelque chose va se passer dans ton village. Pharaon se leva de nuit. Ah, c'est le même gars qui a voulu que le contrat soit signé. Il se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, quand il eut conseil de ministre en pleine nuit. Parce qu'un homme a décidé de marcher par la foi. Et tous les Égyptiens. Et il eut des grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y avait pas eu un mort. Terreur sur l'Égypte. Il faut écouter mon message. Terreur sur l'Égypte. Quand tu es au verset. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous. La même nuit, il a envoyé des messagers, il n'a pas attendu le matin. Parce qu'il ne savait pas ce qui pouvait arriver. Dans tout l'air, vous entendez les cris partout. Ce n'est pas qu'on a marqué au foule, vous entendez, oh, la Côte d'Ivoire a marqué un but. Mais là, c'est des cris dans toutes les maisons.
Pharaon est perturbé, tout le peuple est en train de pleurer aux morts à cause de Moïse. Je te garantis, dans la confrérie des sorciers, chacun perdra quelqu'un. Il y a des gens de qui on ne s'attaque pas impunément. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je te garantis que moi-même je te dirai, il y a quelque chose qui va se passer au monde spirituel. Remettez le texte. C'est terminé la saison, on avait peur des sorciers. La terreur a changé de camp. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Continue. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. C'est-à-dire, écoutez-moi, la terreur était telle que Pharaon, quand il donnait l'eau, il tremblait. Il savait que comme il a vu mourir les enfants, peut-être qu'il allait mourir demain. Et le sorcier qui avait mis ton nom sur la liste va te demander pardon. Bénis-moi pour que je ne meure pas. Bénis-moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je dis, aussi longtemps que Dieu que nous avons est vivant, aussi longtemps que Jésus est vivant, quelqu'un qui avait embrigadé tes biens, qui s'était attaqué à ton pouvoir, je te garantis que cette personne t'appellera de ton village pour demander, récupère ce qui est à toi et vas-y dans le nom suprême de Jésus. Donc nous allons prier maintenant et nous allons appeler le jugement. Le jugement dans le camp des faux dieux qui ont embrigadé nos biens, qui ont empêché ta prospérité. Appelle le jugement maintenant. Élève ta voix pour le Seigneur. Appelle le jugement. Je te donne le pouvoir de condamner. Appelle le jugement contre ces faux dieux dans le nom suprême de Jésus. Appelle le jugement sur leur vie au nom suprême de Jésus. Appelle. Nous appelons le jugement dans le camp ennemi. Dans le nom suprême de Jésus, j'appelle le jugement dans le camp éternel des sorciers, des féticheurs, de ces gens qui dans le village ont été tenus captifs, la provision de plusieurs. Nous lions leurs forces et les chassons dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus, ils ont feu sur la base ennemie, feu dans le camp ennemi, dans le nom suprême de Jésus, feu par la puissance de Dieu, feu dans le camp ennemi, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. Répète un peu moi ces paroles. Seigneur Jésus. En ton saint nom. Nom au-dessus de tous les noms. Je décrète. Déclare. Et établi feu par le Saint-Esprit dans le camp ennemi, là où mes promesses, ma richesse, ma promotion, mon abondance, ma prospérité a été retenue captive. J'ai dit feu. Je déclare que ces faux dieux qui ont travaillé contre mon élévation sont renversés, sont détruits. Feu sur leur base, feu sur leur Dieu, feu sur leurs autels. Feu. À partir d'aujourd'hui, on verra la différence. On verra la différence entre Jésus, les fétiches, entre Jésus et les mensonges de la tradition. Feu au nom suprême de Jésus. Que les gardiens de ces hôtels soient terrassés, soient renversés. Je frappe leurs genoux. J'affaiblis maintenant leur vigueur. Je casse leurs os au nom suprême de Jésus. Je déclare maintenant, prosternez-vous.
feu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort. Alléluia. Récochette de Baba. Une des choses qui te donne la ferveur quand tu pries, à un moment, quand tu lis les combats pareils, et que je dis acclame, rappelle-toi toujours que la tête de ce Dieu de ton village, sa tête-là, c'est entre tes mains, de ce faux Dieu. Et quand tu acclames, véritable dynamique d'un combat spirituel qui est mené, avec la ferveur dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. En fait, alléluia. En fait, écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'acclamation en elle-même qui fait quelque chose. Ce n'est pas l'acclamation qui fait quelque chose. Non. Mais la dynamique qu'il y a derrière, votre conscience, votre foi, que vous êtes en train de branler, de détruire, de renverser les dieux. Et quand vous battez les mains, cette énergie spirituelle, cette ferveur que vous dégagez, produit quelque chose dans le camp ennemi. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, amen. Amen. Écoutez-moi bien. Pour ceux d'entre vous qui priez et il vous arrive d'élever des combats spirituels, à des moments, si vous sentez l'envie de crier, ne vous arrêtez pas. Amen. Non, je vous dis la vérité. Vous pouvez parler un moment et vous allez. Vous parlez, vous criez. Ne vous arrêtez pas. Si vous parlez en langue chantée, allez-y. Criez, parlez, vous êtes dans une autre dimension. Il y a des moments où, pour que la porte tombe, il faut aller dans une autre force. Vous êtes devant la porte de la ville. Vous devez la faire tomber. Vous devez, à un moment, vous sentez une certaine ferveur. Ne vous arrêtez pas. Allez-y avec l'énergie. Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en sang. Ce n'était pas n'importe, ce n'était pas les prières. Non, il y a des moments où l'énergie, tu sens ton corps partir, tu vas dedans. Tu comprends ça? Faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Est-ce que ça va? C'est très important. Quelqu'un dise après moi, combat spirituel. Nous allons saisir maintenant la septième grâce. 7 sur 12. Plus de la moitié maintenant. Dis à ton voisin, je suis béni d'être là. Je suis béni de vivre de tels moments. Car je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Alors la septième grâce, elle est spéciale parce que c'est la grâce de la bénédiction. Ils ont tous été bénis. Abraham a été béni. Isaac a été béni. Jacob a été béni. Mais comment vais-je te demander de saisir cette grâce si ce n'est que te bénir? Parce que tu ne peux pas prier pour être béni. Tout ce que tu dois faire, c'est de vivre une vie qui s'aligne avec les requis d'une vie bénie. Mais comme tu dois saisir cette grâce, alors si ton père est mort sans te bénir, je vais me substituer par la grâce de Dieu à ton père et je vais te bénir, attends écoute-moi bien, je vais te bénir de la bénédiction de la maison. Celle dont tu as besoin avant de sortir de chez toi pour aller te fumer en société. Parce que celle de l'hôtel c'est un autre niveau. Mais il y a d'abord celle de la maison qui te permet même déjà de venir à l'hôtel. C'est parce que ton père t'a béni que tu as rencontré un bon pasteur. Et souvent, la malédiction de ton père va agir au fait que tu vas te trouver dans des églises où tu ne vas aller nulle part. Il y a des gens qui fréquentent des églises parce qu'ils sont maudits. Donc le choix de l'église est la conséquence d'une malédiction. Et d'autres même dont l'église dont tu fréquentes est un indicateur que la bénédiction les poursuit. Et c'est cette bénédiction qui te relocalise pour te mettre à un endroit qui te permet de passer à un autre niveau. Donc, frères et sœurs, tu ne peux pas être entré en contact avec cet hôtel par hasard. Parce que l'homme de Dieu que vous voyez en face de Jésus, je ne suis pas né par hasard. Non. Écoutez-moi bien.
Je ne suis pas Nicodème qui parle de Jésus. Je te parle de moi-même. Ce qui se passe là, tu ne peux pas faire ça si Dieu n'est pas avec toi. Je vous dis la vérité. Et ces derniers temps, Dieu ne fait que me dire avec insistance ce qu'il m'a dit il y a près de 14 ans. Affirme ces choses. Dis, fais savoir ça. Et je te dis la vérité. Tu ne peux pas si Dieu n'est pas avec toi. Donc, je vais relâcher des paroles sur ta vie. Parce que je sais que tu ne peux pas, tu peux même pas écouter mes messages sur Internet par hasard. Si tu tombes en contact avec les messages, c'est que Dieu t'a béni. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard en ce qui concerne ma vie. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai été combattu de ma naissance. 14 sont morts, je suis là, je suis vivant. Parce que la main de Dieu est sur moi. Dis aussi à ton égard, la main de Dieu est sur moi. Non, déclare-le. Tu dois être sûr que tu es sûr que tu es sûr que la main de Dieu est sur toi. Affirme-le. La main de Dieu est sur toi. Alors maintenant, s'il te plaît, pose-moi tes deux mains sur ta tête. Ça va être un exercice difficile pour certains d'entre vous, mais fais ton effort. Laisse-moi te bénir. Père, je déclare établi sur ta vie. J'annonce au nom suprême de Jésus que tu es une personne bénie. Je te bénis la bénédiction que doit avoir tout enfant de sa maison parentale. Si ton père ne t'a pas béni parce que ton père n'a pas eu l'opportunité de bénir, je prononce sur ta vie la bénédiction parentale au nom suprême de Jésus. Je déclare que devant toi les portes s'ouvriront. J'annonce que la faveur de Dieu t'accompagnera partout. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton heure, que tu ne seras pas dans ta génération sujet de honte, mais pour ta famille un témoignage éclatant au nom suprême de Jésus. Jamais tu ne seras revêtu d'un vêtement de honte. La gloire de Dieu t'accompagne sur le territoire de ta destinée. Tout ce que tu touches prospère. Tu révèles la grandeur de Dieu à ta génération dans le nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie que toutes les malédictions qui te poursuivaient ne t'atteindront pas. Elles ne t'atteindront pas au nom suprême de Jésus. Car par la grâce de Dieu, Dieu t'a déconnecté du régime du péché et de la mort et t'a introduit dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. J'annonce que tu jouis de la vie dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté au nom suprême de Jésus et que ta vie témoigne de la grâce en haut. Il est écrit, bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors j'annonce sur ta vie la grâce de la santé. Reçois-la au nom suprême de Jésus. 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 Je déclare sur ta vie la capacité de travailler. Que Dieu te donne l'énergie qu'il faut, la ferveur qu'il faut, la force qu'il faut pour travailler. Personne n'ébranlera ton goût du travail. Je décrète, déclare et établis que tout esprit qui est envoyé vers ta vie pour t'appeler à la paresse, à la procrastination, cet esprit est incendié au nom suprême de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Comme l'apôtre Paul a dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai travaillé plus que tous. Je décrète, déclare et établis sur ta vie qu'on ne remarquera pas que tu es un Africain ou un Européen, mais on verra que tu es un Ciellois, quelqu'un qui descend du ciel. Tant l'énergie de Dieu t'a donné pour travailler, au nom suprême de Jésus. Et par la promptitude de ton obéissance, à la voix du Saint-Esprit, tu accompliras des tâches remarquables. Et l'empreinte que tu laisseras ressemblera à l'empreinte que Dieu seul peut laisser sur le travail, au nom suprême de Jésus. Je te bénis de la bénédiction de la discipline. Je te déclare discipliné. Car il est écrit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Que la discipline te donne le combat selon les règles. Quelqu'un de discipliné et d'ordonné dans ton travail, dans ta marche, par la loyauté, par l'intégrité, par la diligence, par l'ordre, au nom suprême de Jésus. Et que par-dessus tout, l'esprit d'excellence accompagne dans ton travail au nom suprême de Jésus. Et que ton travail révèle ta prééminence. Que ton travail fasse éclater ta sagesse et ton intelligence au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Ces paroles t'accompagnent aujourd'hui à jamais au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen.
Hallelujah. Amen. Eh bien, je voudrais que maintenant tu lèves ta main. Regardez ce qu'il y a de 3 Jean 2. Regardez ce texte. Il est simple, mais il est profond. Très profond. 3 Jean 2. Bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite. Ça veut dire que Dieu a un souhait. C'est que tu prospères. C'est fort. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme vous souhaitez à ton âme. Alors, je vais vous dire une chose. Oh, oui, on n'a pas le temps, mais ce sont des choses qu'on verra sûrement cette année encore. Cette année, parce qu'on n'a pas encore vu cette année. C'est une révélation fraîche. Vous savez que la santé divine a un rôle terrible à jouer dans la prospérité. Et tu peux avoir un dessein de prospérité, Dieu te rend malade. Et non, le diable te rend malade. Une fois que la maladie est installée, il n'y a plus possibilité de prospérer. Un homme malade ne prospère pas. Parce qu'il ne peut pas travailler. Si tu es couché sur ton lit, tu ne peux pas travailler. Donc il y a des maladies qui sont diaboliques, qui ne viennent que pour t'empêcher de prospérer. Alors je brise le pouvoir sur ta vie. Oh non, c'est pour les Jésus. Donne-moi ton meilleur. Amen. Et la Bible dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On n'a pas dit ton esprit, ton âme. Ta capacité à faire le bon choix. C'est dramatique. J'ai vu des gens sous le soleil qui ne savent pas faire le bon choix, qui ne savent pas apprécier la bonne saison, qui ne savent pas honorer les bonnes connexions. Et ils passent à côté. L'état de ton âme. Ton âme. C'est dramatique. Vous savez? Il faut savoir l'âme, ton âme, la clé est là. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ton mental. Dès qu'il y a un problème, je commence à pleurnicher comme une poule mouillée. Ton mental. Ah non, moi je veux me tuer. Ah moi je veux me suicider. Il y a des gens qui ont cette folie, c'est-à-dire cette folie terrible de t'envoyer des messages. Ah vraiment j'ai un problème avec les emojis, avec l'âme. J'ai horreur de ça. Tu pleures pourquoi? Dieu n'est pas intimidé par les pleurs. Tu pleures pourquoi? Tu n'es pas la première ni la dernière personne. Pourquoi tu pleures? Nous sommes inébranlables. Il faut prospérer dans l'âme. C'est dans l'âme. Non, moi je ne vais plus faire des affaires parce que on m'a bousillé mon premier business. Qui t'a dit ça? Il faut que ton âme soit fort. Écoutez-moi ce que j'ai dit à une femme hier. Vous savez, mon mari me bat. Ce n'est pas parce que ton mari te bat que tu as le droit de devenir lesbienne. C'est ton mari qui te battait, ce ne sont pas les hommes qui te battaient. Ce n'est pas un mari qui te bat, qui te fait maintenant dire que tu vas épouser une autre femme. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vraie bêtise. C'est pas parce que ta femme est mauvaise que tu vas penser que toutes les femmes sont mauvaises. C'est ta femme qui était mauvaise. Il faut citer son nom. Ne mets pas le nom de ma femme dedans. Parce que c'est très important. Vous devez apprendre à... Vous devez avoir l'âme des guerriers. L'âme des guerriers, nous sommes des guerriers. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Nous sommes guerriers. Amen. Amen. Ah, non, que tu as un petit mal de tête. Ah, parce que je me sentais pas bien ce matin, je ne peux pas aller à l'église. Toi, tu es malade ou quoi? Petit mal de tête que petit que Doliprane même peut vous soulager. Tu vas dormir. Ton âme doit prospérer. Tu dois refuser de prendre non comme réponse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois refuser de prendre non comme réponse. Moi qui suis là, si un ange entre dans ma maison et puis me dit, bon, un ange entre, il me dit, tu sais quoi, tu mourras pauvre. Je vais dire à l'ange, sors de sur moi, vite. Tu es un menteur. Pourquoi? Parce que mon âme a prospéré. Je sais que ce n'est pas la pensée de Dieu. Et que l'ange-là qui a parlé, ce n'était pas un vrai ange. C'était un démon d'exanage. Donc je ne panique pas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est cette bénédiction que je vois dans l'âme. Touche ton âme et dis mon âme est bénie. Déclare-le encore, mon âme est bénie. Une troisième fois, mon âme est bénie. Ça veut dire quand ton âme prospère, tu prends la résolution d'être loyal. Je suis de ceux qui ne trahissent pas. Je ne trahis pas en amitié. Je ne trahis pas en relation. Je ne trahis pas.
Je ne vais jamais trahir. Je mourrai sans trahir. Je ne trahis pas. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je ne suis pas un traître. Je ne suis pas l'ami de Satan. Je ne trahis pas. Mais je ne suis pas hypocrite. Si je n'aime pas ton costume, je t'ai dit, mon père, ton costume là, ça, voilà. Tout le monde, à mon avis, je t'ai dit. Je ne tourne pas par derrière parce que mon âme a prospéré. Les hypocrites ont l'âme qui ne prospère pas. On parle le langage de la vérité. Dis encore amen. Amen. Parce que toutes ces choses, vous ne savez pas que ça participe de votre prospérité ou de votre rabais. Oh, mon frère. Allons-y plus loin. Amen. Dis à ton voisin, allons-y plus loin. Encore. Amen. Vous savez, le drame, c'est que si vous êtes à côté de quelqu'un de spirituel, vous observez les choses qui se font par l'esprit, et vous pensez que j'ai vu comment ça se fait, je vais aller faire. Vous vous trompez. Vous allez manger la poussière. Parce qu'il y a des lois derrière. Tant que vous n'avez pas compris ces lois dans l'âme, vous n'allez nulle part. Le monde spirituel est un monde assez délicat. Il faut le comprendre. Quelqu'un dit encore discipline. Discipline. Encore discipline. Discipline. Non, nous allons aller à la grâce de l'intégrité de la bénédiction. On reste intègre vis-à-vis de la bénédiction. On doit déclarer nos biens. Oh. Hey, dis à ton voisin, déclare-moi tes biens. Ok, 40. Somme 40, verset 8. Déjà, même entre couples, il y a des femmes qui ne connaissent pas les salaires de leur mari. Il y a des maris qui ne connaissent pas les salaires de leur femme. Vous voulez aller loin avec ça? Attends, le mari est marié à sa femme. Communauté de biens. Et le mari ne connaît pas le salaire de sa femme. Et la femme ne connaît pas le salaire de son mari. Et ils disent, Dieu bénis-nous. C'est pas impossible. Parce que la déclaration de bien n'existe pas. Dieu est un Dieu de lumière. Un Dieu de transparence. Il faut déclarer. J'entends un homme qui dit, hey, pasteur, tu m'as tué. Hein? Je t'ai pas tué. Je t'ai dit, allez loin, mon frère. Tu vas prospérer encore plus. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Somme 40, verset 8 à 9. Je veux faire ta volonté. Non. Vas-y, prends le verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Continue le verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. J'annonce la justice, je ne ferme pas mes lèvres. Je ne cache pas ta bonté. Je témoigne de ta fidélité. Quand tu fais quelque chose de bon, Père, je le dis. Amen. Quand tu me bénis, je témoigne, tu m'as béni. Quand tu fais quelque chose de bon, je dis, tu as fait. Élevons nos voix maintenant, prions, afin que chacun d'entre nous ait une âme intègre, une âme transparente, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on soit des personnes qui arrivent à témoigner de l'œuvre extraordinaire de Dieu au travers de nos vies. Élevons nos voix, prions le Seigneur, déclarons-le dans le nom suprême de Jésus. Affirme-le sur ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le sur ta vie. Annonce-le. Dans le nom suprême de Jésus. L'intégrité, l'intégrité, la transparence. La transparence, la transparence. Dans le nom suprême de Jésus, la transparence. Ne pas cacher les bienfaits de Dieu. Que Dieu te délivre de tout esprit d'hypocrisie. Et que nous n'ayons pas la mentalité de ceux qui cachent les bienfaits de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu auras décidé de le faire, la neuvième grâce sera pour toi la grâce d'une faveur spéciale. Elle t'accompagnera au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Déclare après moi, je la reçois. La grâce de la faveur au nom suprême de Jésus. Car je crois que la faveur est plus importante que l'argent, que l'or. Alors je saisis par la puissance de Dieu
la faveur divine pour réussir dans toutes mes entreprises au nom suprême de Jésus. La gloire de Dieu est mon partage au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Psaume 40, verset 5. Verset 6 dans votre version. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Allez, tu as commencé à raconter. Mais tellement Dieu a montré sa fidélité que tu ne sais même plus quoi tu vas raconter. Tellement la faveur de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. C'est ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on aura joui la grâce de la miséricorde. La grâce de la miséricorde. Qui est la grâce numéro 10. La miséricorde. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Vous savez, la miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais par tes fautes. On est d'accord, hein? Alors, on va voir certaines choses, parce qu'en même temps qu'on a la prière, je vais vous enseigner sur certaines choses sur la miséricorde. Très important. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc Dieu dit, quand il y a un problème, il ne faut pas fuir le trône. Il faut approcher le trône. Donc le trône n'est pas un trône de condamnation, c'est un trône de miséricorde. Donc le prix a déjà été payé. La rançon a déjà été reçue. Donc il n'y a plus besoin de fuir, car Dieu a payé déjà le prix à ta place. Donc il dit, quand il y a un problème, approche-toi de moi et raconte-moi ce qui se passe. Parle-moi de ce que tu traverses, pour que je puisse t'aider, que je puisse te secourir. Et que là où tu as besoin, que je vienne supplier. Tu vois, si tu es violent et que tu bats ta femme, ou alors tu as une femme qui crie sur ton mari, ou etc., et que tu vois ça se répète, alors viens auprès de Dieu et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Secours-moi, aide-moi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne fuis pas Dieu. Approche-toi de Dieu. Tu es peut-être là, tu as des problèmes à donner ta portion d'alliance. Et puis tu veux voir la grâce de Dieu sur ta vie. Viens devant le trône, dis, Seigneur, aide-moi. Je n'y arrive pas. Montre-moi comment faire. Je n'y arrive pas, Seigneur, je n'y arrive pas. Dis-lui la vérité. Ne fuis pas le trône de la grâce. Viens devant le trône et parle à Dieu. Il va te secourir et te sortir de là. Car Dieu ne va pas te délivrer de ce que tu aimes. Il va te délivrer de ce qui, à tes propres yeux, est un fardeau. Et c'est là où tu vas pleurer devant lui et la miséricorde te sera accordée. Et Dieu t'aidera à être davantage meilleur. Maintenant, regarde ce que Timothée dit. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 18. Que 2 Timothée 1, verset 18. 2 Timothée 1, verset 18. Que le Seigneur lui-même, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc il dit que pour son cas, que Dieu lui accorde la miséricorde parce qu'il m'a rendu service. Donc il y a des choses qui arrivent à certaines personnes à cause du service qu'ils ont rendu à des oies de Dieu. Donc vous savez, il y a des trucs, deux personnes peuvent commettre la même faute mais ne sont pas punies de la même manière. Parce qu'une personne ayant commis une faute avait posé un acte qui va parler en sa faveur au moment de la faute commise. Il faut faire très attention. Rahab était une prostituée, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est morte comme une prostituée? Elle est morte comme une héroïne de la foi parce qu'elle a accueilli les espions. Donc il y a la miséricorde qui peut arriver dans ta vie à cause des services rendus à des personnes que Dieu a honte. Regardez d'ailleurs dans le cas de Jésus ce qu'il va faire. Luc 7, verset 2 à 4. Un centenaire avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'incessantes supplications, disant, il mérite, voyez bien, il mérite que tu lui accordes cela, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Continuons. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. En d'autres termes, il disait, parce qu'il a bâti notre synagogue, que la miséricorde lui soit accordée et que son fils ne meure pas.
Donc ça veut dire que l'acte qu'il a posé en construisant la synagogue a plaidé en sa faveur. Donc Jésus, à cause de cet acte, était obligé d'aller vers un centenier qui n'était même pas juif, qui est parti d'avant, voyez-vous, Romain, pour guérir son serviteur parce qu'il avait posé des actes en faveur, voyez-vous, de la synagogue. Donc c'est important pour nous aussi de comprendre qu'il y a des actes qu'on pose qui peuvent plaider en ta faveur. Et c'est pourquoi quand vous êtes sous un leadership, vous avez un pasteur, faites très attention à ce que votre pasteur, le cœur de votre pasteur, soit en peine contre vous. À partir de ce moment, comme c'est en peine contre vous, il n'y a plus d'éléments qui vont pouvoir plaider pour que la miséricorde divine te soit accordée. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention. Faites très attention. La bonté expie l'iniquité. Il faut apprendre à être bon. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Il faut apprendre à être bon. Quand vous ne faites pas miséricorde, vous n'avez pas la miséricorde. Et la Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. Donc c'est important pour toi-même, quand tu demandes la grâce à miséricorde, de t'engager à être miséricordieux. Toi-même, t'engager à être miséricordieux. Prions le Seigneur maintenant et bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous nous engageons à vivre une vie de personnes miséricordieuses. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Déclare-le sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Père, dans le nom suprême de Jésus, je m'engage à vivre une vie davantage miséricordieuse et axée sur le levier de la miséricorde accordée à mes semblables dans le nom suprême de Jésus. Père, je suis résolu dans mon âme à être miséricordieux vis-à-vis de mes semblables dans le nom suprême de Jésus. Père, béni sois-tu, car je sais que la vie de Dieu, le ciel, est sans miséricorde pour quiconque ne fait pas miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde éternelle, parce que moi aussi, j'accorde ma miséricorde à mes semblables dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'éteindre debout tous et acclamer au-dessus de notre tête trois fois? Stop. Non, pas. Non, voilà, l'autre. Acclame au-dessus de ta tête trois fois. Ok, une autre fois encore. Une troisième fois encore. Tout en fait, ton voisin de gauche et dit, je passe des bons moments dans la présence de Dieu. Demande à ton voisin, qu'en est-il de toi? Écoute la réponse de ton voisin. Amen. Acclamons encore très fort notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons, la onzième grâce, elle est davantage importante parce que beaucoup de personnes dans le royaume des cieux sont séduites par le mensonge de la bénédiction d'Ésaü et ne comprennent pas le mystère de la bénédiction de Jacob. C'est-à-dire, ils disent, Dieu m'a béni financièrement. J'ai de l'argent, j'ai des maisons. Eh bien, on s'en fout. On peut avoir tout ça et ne pas aller au ciel. Donc, cette grâce-là, elle est importante. Parce que c'est la grâce de la généalogie de Christ. Que nous soyons trouvés soit ascendants, soit descendants de Christ. Mais pour toi et moi, nous sommes descendants. Parce que l'ascendance est réservée à Abraham, Isaac et Jacob. Mais nous descendons de Christ. Et donc, nous sommes de sa famille. Nous appartenons justement au royaume des cieux. Donc, nous n'allons pas mourir pour nous retrouver en enfer. Ce n'est pas notre partage. Non. Nous sommes bénis de cette grâce. Nous sommes bénis pour appartenir à un peuple qui va être enlevé. Nous n'allons pas rester sur la terre quand Jésus reviendra. Et nos avoirs, et nos biens, et nos maisons, et nos voitures, et notre argent vont servir la cause de Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais vous savez ce qui a béni Abraham? C'est que Isaac a servi la cause de Christ. Isaac a été donné pour Christ. C'est ce qui a béni Isaac? C'est que Jacob a servi la cause de Christ. Donc tout ce qu'ils avaient, ils le transféraient à leur enfant pour que ça serve la cause de l'avènement du Seigneur. Que toi aussi, ce que tu as, serve la cause de la seconde venue de Christ. Donc tant que ça ne sert pas la cause de la seconde venue de Christ, et que tu te balades tout fanfaron, d'accord, à penser que tu es arrivé parce que tu conduis une grosse voiture, ou tu as une belle maison, ou tu as un sac ou une chaussure, tu es minable. Parce que quand Jacob est venu,
pour donner des biens à son frère Esaü, il a dit, mon petit, je suis dans l'abondance. Donc le Dieu qui t'a béni là-bas aussi, béni. L'argent, j'en ai, et tout ça, j'ai. Donc reste calme avec tes biens, j'en ai déjà. Amen. Amen. Mais nous sommes bénis. Parce que nous sommes bénis, nous allons servir la cause de Christ. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Alors commence à prier et déclare sur ta vie. Tu sers la cause de Christ avec tes avoirs. Tu sers la cause du royaume des cieux. Tu n'es pas installé dans la vanité de ce monde, de ce siècle. Non, ton argent n'est pas là pour faire des démonstrations dans ta génération, mais non, pour servir à l'avènement, à la seconde venue de Christ sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Lève ta voix, crie à Dieu, parle dans le nom suprême de Jésus, lève ta voix. Je confesse par le pouvoir élevé de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rabo katabrende sharababore rakata kabrende rebo sarababo ereketebro dakerebo sata rakoto kebrenda kabre sharababa. Nos avoirs, ce que nous sommes, ce que nous avons, sert à la seconde venue de Christ dans le nom suprême de Jésus. Nous clamons que nous possédons cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. On lit ensemble. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Encore. Une dernière fois. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 de 3. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Continuons. S'impose tout espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Continuons. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Lève ta main vers le ciel et déclare, cela ne m'arrivera pas. Car je suis résolument engagé à vivre une vie qui est axée à promouvoir la seconde venue de Christ sur la terre des hommes. Je suis un témoin de Dieu. C'est pourquoi je ne prends pas plaisir à m'associer avec les impies, avec les païens, à avoir pour compagnie les personnes qui marchent en inimitié de la croix. Car il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors je fais attention à qui sont mes amis. Je résélectionne mes amitiés, car j'ai bien conscience au fond de mon cœur que je fais partie de la lignée descendante de Christ. Pour cela, je veux servir le royaume des cieux et recevoir la couronne qui m'est réservée dans les cieux au nom suprême de Jésus. Amen. Trois fois. La douzième grâce et la dernière. Donc, ils ont tous fait face à des crises et ils ont été soutenus. Que Dieu te donne la capacité de sortir victorieux de toutes tes crises. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. 1, 2, 3. Encore. Alors, lève ta main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie et sur la mienne. Que nous livrons un combat, nous sommes victorieux d'avance. Amen. Il est écrit, nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Amen. Alors j'annonce que la grâce de la suprême protection de Dieu est ton partage et le mien. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi essaiera de déployer contre nos vies, nous annonçons d'avance, dans le nom suprême de Jésus, que nous triomphons de toutes nos crises par sa puissance suprême. Que Dieu fortifie chacun d'entre nous dans son homme intérieur. Amen.
que Christ continue d'habiter dans le cœur par la foi. Afin que quel que soit ce que tu traverses dans la vie, que Dieu te donne la force de continuer d'avancer. Je déclare sur ta vie que tu es inébranlable. Personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra terrasser ta foi. Tu n'abandonneras pas la foi. Tu vivras toujours par elle et tu verras les résultats éloquents de cette foi démontrée au travers de ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Acclame encore très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie. Cris de joie.